Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te glorifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur d'étendre ta main de faveur. Merci d'étendre ta main de grâce au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta victoire, ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux des grâces, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde. Nous t'élèverons à la plus haute place et nous te célébrons. Alléluia. Maître du ciel et de la terre, merci Seigneur de nous faire du bien. Merci Seigneur de glorifier ton nom, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône de gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous puissants de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, alléluia, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ, de glorifier ton nom, alléluia, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons et nous te glorifions, nous puissants de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié, ô nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ô nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel notre Dieu, pour ta fidélité, ô nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, toi qui es le roi éternel, toi qui es le puissant de Jacob, toi qui es assis sur le trône de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit de nous conduire encore ce soir. Nous nous attendons à toi, l'esprit de victoire, l'esprit de louange, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de miséricorde. Nous nous attendons à toi. Nous avons soif et faim de toi, soif et faim de ta présence. Nous voulons voir ta main puissante agir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia, Maître du ciel et de la terre. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté et pour ta bienveillance. Merci Seigneur notre Dieu pour ta victoire. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tout celui qui croit. Nous te bénissons, Dieu grand et redoutable. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour au nom puissant de Jésus. Merci pour ta bonté. Alléluia, Maître du ciel et de la terre. Merci, Seigneur notre Dieu. Glorifie ton nom. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir, bonsoir, maman Alpha, maman Marie-Jeanne. Bonsoir, maman Marika. Bonsoir, papa Jules. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité ce soir de pouvoir encore prier. Nous le bénissons, nous lui rendons toute la gloire.
Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons demander au Saint-Esprit de nous assister dans ce programme de prière. Élevons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Demandons l'assistance du Saint-Esprit dans ce programme. L'Esprit de grâce et des faveurs, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi, l'Esprit de grâce et des faveurs. Toi, l'Esprit de louange. Toi, l'Esprit de miséricorde. Toi, l'Esprit de paix. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté et pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur, pour ta bonté infinie. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Saint-Esprit, inonde nos vies de ta vie. Saint-Esprit, comble nos vies de ta présence. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis, alléluia, chacune de nos vies. Merci, Saint-Esprit, de conduire ces programmes de prière. Nous nous attendons à toi, l'Esprit de grâce, l'Esprit de faveur, l'Esprit de louange, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit d'amour et de paix. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, toi, l'Esprit de victoire, toi, l'Esprit de grâce et de faveur, toi, l'Esprit d'amour, toi, l'Esprit, Seigneur notre Dieu, de victoire. Nous nous attendons à toi, au nom puissant de Jésus. Viens combler nos vies, viens combler nos vies, viens combler nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, cher Saint-Esprit, nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons, bien-aimés, prier. Bien-aimés, pour briser, n'est-ce pas, bien-aimés, la mort. Combattre la mort à travers les rêves des morts. Alléluia. Bien-aimés, il arrive parfois bien-aimés, que nous rêvons les morts, ceux qui sont déjà décédés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut toujours discerner, bien-aimés, les gens qui sont déjà décédés, qui vous viennent dans le rêve. Il faut discerner, bien-aimés, dans le Seigneur. Comment, bien-aimés, sont-ils morts? Il faut bien discerner. S'ils sont morts dans le Seigneur, et quel type de message ils vous apportent? Très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que parfois, bien-aimés, nous entrons dans une communion avec les morts sans le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, on se suit, bien-aimés dans le Seigneur, avec les morts dans le rêve, sans le savoir. Ou parfois, bien-aimés dans le Seigneur, les morts, c'est une manière de te dire que tu es parmi eux, tu fais partie d'eux, tu es l'un d'eux. Non, voilà, j'ai rêvé tout le temps, chaque fois, je rêve toujours mon oncle là, on est là, en train de marcher dans les rues. Tu fais partie de lui, tu es comme lui, tu es vivant, mais tu es mort, tu fais partie de leur monde. Donc, c'est l'esprit des morts est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de te réclamer. L'esprit des morts te poursuit, bien-aimé dans le Seigneur. La mort te réclame, la mort te poursuit. Bien-aimé, tu dois refuser. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit, n'est-ce pas, que, bien-aimé, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Mais nous savons que Dieu parle. Ça, nous n'avons aucun doute. Mais Dieu parle. Conscient ou pas conscient, Dieu parle.
écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il le dit ceci. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, bien-aimés, il fait appel à notre conscience. Nous devons, bien-aimés, prendre conscience. Comprendre que c'est Dieu qui parle et comment nous devons nous comporter. C'est là que l'apôtre Paul et Job le dit, bien-aimé, cependant, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous éviter beaucoup de drames. Mais il se fait que parfois, bien-aimés, on ne prend pas conscience de cela. Dieu nous parle, bien-aimés. Il y en a qui disent, voilà, Dieu avait déjà parlé à l'époque, il parlait dans l'époque, il n'avait pas la parole, mais là, il y a la parole. C'est leur droit, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu m'a montrées clairement dans le rêve, tel que Dieu me l'a montré. Alors, ne venez pas me dire que c'est Satan, le diable. Je ne prie pas le diable, je ne prie pas les démons. Donc, pour moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Alors, l'autre qui dit, voilà, moi, Dieu avait déjà parlé, il parle maintenant par la parole. Dans le rêve, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est leur droit. Je les respecte aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Mais moi, je me cantonne à mon expérience. Beaucoup de choses, bien-aimés, Dieu m'a montré dans le rêve, où Dieu a parlé déjà aux gens, bien-aimés. Les choses se sont accomplies telles que. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle. Alléluia. Il a parlé. Divinement averti en son de ne pas retourner vers Hérode. Bien-aimés, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dieu leur a parlé, bien-aimés, dans les songes, divinement averti. Alléluia. Donc, pour eux, bien-aimés, Dieu nous avertit du danger. Alors, un ange, bien-aimés, dans le Seigneur, il n'a pas l'air d'un ange. Voilà, c'est une personne. Mais qui vient vous parler de manière à vous donner l'assurance. Vous avez l'assurance que non. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe. Bien-aimés dans l'océan, dont les démons aussi, bien-aimés, peuvent apparaître en songe, mais à travers, bien-aimés, les gens qui sont déjà décédés. Mais s'il vient sous forme d'un démon, tu sauras que ça, c'est un démon. Non. Mais ils viennent, bien-aimés, sous forme des gens qui sont déjà morts. Généralement, ceux qui ne sont pas morts en Christ. Ils prennent leur forme, ils viennent dans vos rêves, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais généralement, bien-aimés, c'est toujours pour semer la mort. Ils ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Fuis en Égypte, reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. L'ange vient lui parler que la mort est là. Attention. Lorsque, bien-aimé, Hérode est décédé, l'ange vient encore. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bien-aimé du Seigneur. La conception même de l'enfant, bien-aimé du Seigneur. Alors qu'il voulait, bien-aimé, se séparer, l'ange est venu lui parler, bien-aimé, en songe. Ne commets pas l'erreur de prendre une mauvaise décision. Bien-aimé dans le Seigneur. Les démons peuvent prendre la forme, n'est-ce pas, des gens qui sont déjà décédés pour nous pousser à prendre des mauvaises décisions. Pour nous induire en erreur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur,
Nous devons prier. Lorsque vous réveillez les gens qui sont déjà décédés, bien aimé, il faut d'abord observer leur aspect. Ce sont des gens qui sont morts en Christ et quel type de message ils vous apportent. Si c'est comme ça, mais oh, j'ai vu quelqu'un qui me suivait, mon oncle est déjà mort, mais je l'ai vu, je suis allé à gauche, il est parti aussi à gauche. Je suis allé à droite et puis on s'est perdu, je suis allé dans un petit marché, je le revois encore. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un esprit de mort qui vous surveille. C'est un esprit de mort, bien aimé, qui cherche à vous arracher la vie. Donc c'est la mort qui vous réclame, bien aimé dans le Seigneur. Ne dites pas, oui, c'est un oncle, oui, c'est un ami qui est déjà décédé depuis longtemps, mais je l'ai vu. En tout cas, on était comme on avait l'habitude, et puis au moment, on s'est perdu, et puis on arrive encore quelque part, on se revient encore dans les bus, il était assis à côté de moi, mais on ne parlait pas. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit de mort qui vous réclame. Il faut prier pour chasser la mort. Parce que Dieu parle dans le... Genèse 20, verset 3. Alors Dieu apparaît en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Le roi Abimélec, mais le roi d'Égypte, il a pris la femme de Sarah, la femme d'Abraham. Abraham a menti hein, en disant, bon, demi-vérité, c'est un mensonge. Donc voilà, c'est ma sœur. Mais pourtant, c'était sa sœur, sa demi-sœur, mais c'était sa femme. Alors Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, alors, voyez, Dieu lui dit clairement, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Dieu lui apparaît en songe. Comment Dieu lui est-il apparu? Comment a-t-il su que c'était Dieu? Abimélec, qui ne s'était pas approché de lui, répondit, Seigneur, il reconnaît que c'est Dieu. Ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Vous voyez, bien dans le Seigneur, dit qu'il était sincère. Dieu lui dit, en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu se révèle à un roi païen. Et Dieu lui dit, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Bien aimé dans le Seigneur, parfois, bien aimé, les démons, le diable, bien aimé, se révèle à nous dans le rêve pour bien aimé dans le Seigneur nous menacer de mort. Alléluia. Où tu vois, bien aimé dans le Seigneur, les gens en train de te menacer, bien aimé dans le Seigneur. Les gens sont déjà décédés. Ou tu t'es pris la tête avec quelqu'un qui est déjà mort. Vous vous êtes chamaillé sérieusement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'esprit de mort qui est en train de vous réclamer. L'esprit de mort vous réclame. Bien-aimé, il faut refuser ce genre de réclamation, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quelque part, c'est comme s'il y a une alliance avec les esprits des morts. Lorsque bien aimé le Seigneur, dans la famille, il y a déjà bien aimé qui consultent les marabouts, qui consultent bien aimé le Seigneur, ceux qui pratiquent la divination, bien aimé. Vous allez commencer bien aimé le Seigneur à rêver les gens qui sont déjà décédés dans la famille. Il faut faire très attention avec les rêves où tu rêves les gens qui sont déjà décédés. Ce n'est pas bon. Bien discerner l'aspect. Regarde, dans un rêve ou dans une vision, hein, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparirent s'entretenant avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse et Élie sont apparus sur la montagne. En réalité, c'était une vision, hein, parce que le verset 9 nous dit que Jésus leur a dit, ne parlez à personne de cette vision. C'était une vision. Je vous ai dit, n'est-ce pas, bien-aimé, une vision, c'est un rêve éveillé et un rêve, c'est une vision endormie. Quand on est endormi. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Élie et Moïse sont déjà décédés. Mais ils parlaient avec le Seigneur.
dans la vision, ils ont même parlé avec, ils ont parlé avec, comment ont-ils reconnu que c'était Élie, c'était Moïse? Comment ont-ils reconnu? Dieu leur a ouvert l'intelligence, le discernement, pour comprendre que c'était Élie, c'était Moïse, il s'est déjà décédé depuis très longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, les morts peuvent nous apparaître dans le rêve. Tu dois discerner leur aspect. Et quel est le message qu'ils t'apportent? Discerne l'aspect des personnes mortes, bien-aimé, qui apparaissent dans tes rêves. Alléluia. La prière vient pour semer la mort dans votre vie, dans votre. Mais quand vous rêvez les gens morts, la mort, bien aimé dans le Seigneur, la mort vous réclame dans la famille. Donc tu dois refuser, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, tel qu'il est écrit, bien aimé, dans Luc 10. Le verset 19. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est Galates 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bienvenue dans le Seigneur, nous croyons à la victoire sur la mort à travers les rêves. La mort qui te réclame. La mort qui réclame les gens de ta famille. Alléluia. Les esprits de mort qui te réclament. Les esprits de cimetière qui te réclament à travers le rêve. Tu rêves les gens qui sont déjà morts. Mais ce sont les esprits de cimetière qui te réclament. Tu dois refuser, bien-aimé, dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Parfois, bien-aimé, tu rêves tout le temps, les gens qui sont dire, bien-aimé, tu dois prier pour chasser ces esprits de cimetière, ces esprits de mort. Chasse-le, bien-aimé, dans le Seigneur, loin de toi, loin de ta famille, bien-aimé. C'est comme ça que tu commences à t'habituer, bien-aimé. Il réclame, bien-aimé, dans le Seigneur. Sache qu'il réclame là, il réclame. Et parfois, ils injectent les maladies. C'est que la maladie avec laquelle la personne est morte, cette maladie va venir dans la famille. Si la personne a connu l'accident, c'est qu'il y a un accident qui se profile à l'horizon. Mais le monde spirituel, le monde satanique, le monde maléfique, c'est un monde de ruses. Satan vient avec le ruse, même à travers les rêves. Les gens qui croient, ouais, les morts, ils nous protègent, ils sont là où ils nous protègent. J'ai rêvé, il est là en train de me protéger. Ils ne te protègent pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Les morts sont morts. Mais la Bible est claire sur ce point-là. Les morts sont. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter, bien-aimé, dans le Seigneur? Un ange, bien-aimé, peut prendre le visage de quelqu'un qui est déjà. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Les anges sont venus, c'était Élie et Moïse. Mais bien, les anges sont venus, n'est-ce pas, sous forme d'Élie et de Moïse. Parlant avec le Seigneur. Alors, il faut faire très attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut faire très attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Et surtout, faire attention avec les rituels de mort que nous faisons, bien-aimé, dans le Seigneur. Souvent, à certaines dates, il faut aller au cimetière. Il faut faire très bien, bien-aimé. Nous ouvrons la porte aux esprits des cimetières, aux esprits des morts. Tu commences à rêver les morts. Fais très attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es censé combattre la mort. Alors, ne cherche pas, bien-aimé, à pactiser avec la mort. Ne pactise pas avec la mort. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, nous allons prier. Les temps qui nous restent. Élevons nos voix, bien-aimés, prions, bien-aimés, les dieux de la vie. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, Jésus, n'est-ce pas, bien-aimés, il est le Dieu de la vie. Jésus. Alléluia. Maître du ciel et de la terre.
Il me commence maintenant à bénir le Seigneur, le Dieu de la vie. Bénissons le Seigneur Jésus qui est le Dieu de la vie. Bénissons-le, béni, mais dans l'océan, c'est lui qui est le Seigneur de la vie. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant. Nous te rendons toute la gloire. Toi, le Dieu de la vie, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce et de la faveur. Merci pour le sang qui purifie, merci pour le sang qui guérit, merci pour le sang qui justifie. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Toi, les dieux de victoire, les dieux de vie, merci pour la vie, merci pour ta grâce et pour ta faveur, merci pour ton amour et pour ta fidélité, merci pour ta bonté et pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Gloire et louange à toi, éternel Dieu grand et redoutable. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci pour ce que tu as déjà fait au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour dire c'est notre Dieu. Alléluia, Seigneur, pardonne. Alléluia. Si autrefois, peut-être comme sans le savoir, alléluia, nous avons fait certains rituels des morts. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Mais nous demandons pardon, n'est-ce pas, certains rituels des morts. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, demandons, bien-aimés, pardon à certains contacts, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Bienvenue dans le Seigneur, renonçons, bienvenue dans le Seigneur, renonçons, bienvenue dans le Seigneur, à toute alliance avec la mort. Élevons-nous, bienvenue dans le Seigneur, prions le Seigneur, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Je renonce, éternel notre Dieu, à tout contact avec les morts, à tout pacte avec les morts, à travers les rêves. Seigneur, j'implore ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Les dieux de gloire, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de miséricorde, les dieux de victoire. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te glorifions, grand roi de l'univers. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te bénissons, grand roi de l'univers. Je célèbre la victoire de ton Saint-Nom. Je proclame ton règne et ton autorité. Maître du ciel et de la terre, merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Puissant de Jacob, lève-toi dans chaque détail, dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous t'élèverons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie de Dieu Zoé, maître du ciel et de la terre. Que l'honneur, la gloire, la majesté t'envient au nom puissant de Jésus. J'implore ta miséricorde et ton pardon. Je renonce à toute alliance avec la mort. Je renonce à toute alliance. Nous renonçons à toute alliance avec la mort. Tendre Père, que tout pacte avec la mort, alléluia, j'y renonce maintenant au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, maître du ciel et de la terre. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Alléluia. Nous allons élever nos voix dans le Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous lever contre tout. Alléluia. Nous allons nous lever contre toute manipulation des esprits des morts dans le rêve. Bien-aimés, ils manipulent les gens. Parfois, on ne le sait pas. Ils viennent te donner un message. Voilà, il y a ça, il y a... Oh, on était dans une causerie. Et pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en train de vous suyer.
Il n'y a aucun, il n'y a rien, nous, entre les morts, rien, ils ne peuvent rien nous apporter, bénir le Seigneur. Sauf les démons qui prennent l'aspect des morts. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'il faut discerner l'aspect. Ça peut être un ange, à travers quelqu'un qui est déjà décédé. Il faut discerner, mais dans quel état la personne est décédée. Mais nous allons prier pour briser toute manipulation des esprits, des esprits des morts à travers les rêves. Alléluia. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je proclame ta victoire. Je me dresse contre toute manipulation. Alléluia. Des esprits des morts à travers les rêves. Je brise toute manipulation des esprits des morts à travers les rêves. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha sur toutes les manipulations des esprits des morts à travers les rêves. Tendre Père, je me dresse contre les manipulations des esprits des morts à travers les rêves. Au nom puissant de Jésus, que les manipulations soient brisées, que les manipulations soient neutralisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons bien-aimé prier, bien-aimé dans le Seigneur. Que toute nourriture vienne dans le Seigneur. Alléluia. Que nous avons mangé avec les morts. Bien-aimé. Tu as été, n'est-ce pas, dans un rêve. Tu es en train de manger avec les personnes qui sont déjà décédées. Dans une fête, tu manges avec les personnes qui sont déjà décédées. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est une nourriture, bien-aimé dans le Seigneur, empoisonnée. C'est une nourriture souillée, bien-aimé dans le Seigneur. Une nourriture de cimetière. C'est dans le rêve, bien sûr. Hein. Satan, c'est un rusé. Pour te connecter au monde des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier ce soir pour le Seigneur. Purifie mon intestin. Purifie mon corps, mon être tout entier, Seigneur. Purifie mon sang. Alléluia. De toute nourriture. Manger, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, avec les morts. Dans le rêve. Alléluia. Dans des cérémonies, bien-aimé dans le Seigneur, avec les morts. Dans les deuils, les enterrements, les fêtes, bien-aimé, vous êtes dans une fête avec les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois refuser, bien-aimé dans le Seigneur. Renonce, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus, n'est-ce pas, pour purifier ton sang, bien-aimé, de toute nourriture. Mange avec les morts. Alléluia. Toute nourriture qui était préparée pour les morts. Vous savez, un des ministres au Congo, il était ministre, hein, plusieurs années ministre, hein, le ministre de l'information. Il donnait son témoignage. Paix à son âme, Papa Sakombi Inongo. Il préparait bien aimé la nourriture. Comme notre nourriture, il va avec dans le cimetière. Il met dans les assiettes, bien dans le Seigneur. Et les gens en train de manger, les esprits en train de manger. Ils retournent avec les casseroles vides. Ils voient les morceaux de viande qui sort de l'assiette, et la viande, le piment, et puis qu'il avait apporté, c'est pas les bananes plantain. Les esprits en train de manger. Les esprits des morts. Les morts sont morts, ce sont les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez que c'est un monde bizarre. Hein? Mais la nourriture comme nous mangeons, bien-aimé dans le Seigneur, le repas, on a préparé chez lui. Il est allé manger avec les esprits dans le cimetière. Je dis bien dans le cimetière, en plein cimetière. Il est rentré avec les casseroles vides, les assiettes vides chez lui à la maison. Les esprits ont mangé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Alléluia, bien-aimés, que toute fête, feston, qu'elle tu as participé, bien-aimés dans le Seigneur, avec les gens qui sont déjà décédés, tu vas prier pour le Seigneur, que toute nourriture que j'ai mangée, qui était préparée aux morts, Seigneur, purifie mon sang. Lave mon sang, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que ton sang soit lavé, bien-aimés dans le Seigneur.
Que le Saint-Esprit, bien-aimé, purifie ton estomac, purifie tes intestins. Purifie ton sang, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour avoir mangé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Avec les morts. Ou pour avoir mangé la nourriture préparée aux morts dans le rêve. Satan s'était rusé. Alléluia, nous allons proclamer trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la victoire du sang de la Nouvelle Alliance. Seigneur, merci pour le sang de la victoire. Saint-Esprit, lave-moi. Saint-Esprit, purifie-moi. Par le sang qui a été versé à Golgotha, purifie mon sang, purifie mon intestin, purifie mes estomacs, alléluia, de toute nourriture qui était préparée aux morts, de toute nourriture qui était préparée aux esprits de mort, au puissant de Jésus. Seigneur, sanctifie le sang de mon frère, le sang de ma soeur. Lave-nous, Seigneur notre Dieu. Lave-nous et purifie-nous, maître du ciel et de la terre. Merci de nous laver, de nous purifier, au puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, merci de purifier mon frère, alléluia, de toute nourriture mangée dans le rêve avec les gens qui sont déjà décédés, de toute nourriture mangée dans le rêve, dans des festins réservés aux morts, le repas qui était réservé, bien-aimé, c'est notre Seigneur, notre Dieu, aux esprits des cimetières. Seigneur, purifie nos corps, purifie nos puissants de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci de nous purifier, nos puissants de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque, bien aimé, tu es dans un rêve, tu es bien aimé en contact avec les morts, tu te suis, bien aimé, dans le Seigneur. Il est écrit, bien aimé, dans la parole de Dieu. Vous savez, dans la loi de Dieu, quand quelqu'un était mort, on ne pouvait pas, bien aimé, le toucher, sinon on était suyé. Et les démons le savent, bien aimé, dans le Seigneur. Satan le sait. Il permet d'être en contact avec les gens. Bonjour, j'étais avec un ami, il est déjà décédé. On était quelque part, il est venu, il nous a trouvés, on s'est salués. Il y a quelqu'un qui m'a raconté un rêve dernièrement, venu dans le Seigneur. Il dit comment il était avec un de ses amis et puis il a laissé un peu et puis il est réapparu encore. Je lui ai dit, c'est la mort qui te réclame. Il dit, mais il ne disait rien, l'ami était là, on ne parlait pas avec. Il dit, mais c'est le problème, il ne parlait pas avec. Il va te dire quoi? Toi, tu sais qu'il est déjà décédé. Et comme tu es spirituellement, tu es éveillé, donc ce n'est pas parler avec toi, mais il montre qu'il te surveille. Il te réclame que tu es de notre monde. Viens dans notre monde. Bienvenue dans le Seigneur. Il n'y a rien entre nous et les morts. Mais pourquoi tu dois les voir? Pourquoi tu dois parler avec? C'est que sont morts. Oui, mais la supercherie bénéficie des esprits des cimetières. Mais nous allons prier. Tu vas dire, c'est notre Dieu, lave et purifie-moi de toutes les sueurs. À travers les contacts avec les gens qui sont déjà décédés dans le rêve. Seigneur, lave et purifie-moi, purifie ma maison. Oh, dans ma maison, j'étais là, on était assis à table, et puis la tante telle qui était déjà morte, et puis il y avait l'oncle tel, on était à table, mais purifie ta maison par le sang de Jésus-Christ. Ces esprits viennent souiller ta maison. Nous allons proclamer trois fois le sang de Jésus. Un des trois, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à la croix. Dans nos vies éternelles, Dieu Tout-Puissant, dans nos familles, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de la Nouvelle Alliance dans nos familles. Seigneur notre Dieu, viens nous purifier, Seigneur notre Dieu. Purifie-nous pour avoir été en contact avec les gens qui sont déjà décédés. Seigneur, purifie nos sueurs, tendre Père, enlève nos sueurs pour avoir été en contact avec les gens qui sont déjà décédés. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, purifie nos maisons, purifie nos biens matériels, purifie nos voitures pour avoir transporté les gens qui sont déjà décédés. Tendre Père, que le sang verse à la croix. Seigneur, sanctifie nos vies, sanctifie les voitures. Seigneur, te lave-nous, tendre Père, lave-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te louons. Merci de nous laver, de nous purifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, manifeste ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas briser les malédictions, bien-aimé. Tu vas briser les malédictions, bien-aimé. Tu vas briser les envoûtements, bien-aimé. Tu vas briser la sorcellerie, bien-aimé, à travers les gens qui sont déjà décédés.
Alléluia. Dans le rêve, bienvenue dans le temps. Tu vas briser la sorcellerie. Tu vas briser les sortilèges. Tu vas briser les mauvais sorts. Tu vas briser l'envoûtement. Tu vas briser la puissance de l'occultisme et de la magie. À travers, bien aimé, les gens sont déjà morts dans le rêve. Mais tu vas briser toutes ces puissances au nom puissant de Jésus. Je dis bien, la puissance de la magie, l'occultisme, la sorcellerie, la divination, bien aimé, au Seigneur. Les sortilèges, le mauvais sort, bien aimé, les envoûtements. Tu vas les briser, bien aimé, dans le Seigneur. À travers les gens qui sont déjà décédés dans le rêve, au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous nous lèvons, maître du ciel et de la terre. Nous nous lèvons contre, alléluia, Seigneur de la sorcellerie, contre les envoûtements, contre, c'est notre Dieu, la malédiction, c'est notre Dieu, alléluia, à travers des personnes qui sont déjà décédées dans le rêve, je brise les sortilèges, je brise la malédiction, je brise les envoûtements, au nom puissant de Jésus, je brise les mauvais sorts, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, Dieu Tout-Puissant, je me dresse contre les mauvais sorts, alléluia, dans le rêve des morts, je me dresse contre l'envoûtement, la sorcellerie, je brise la puissance de l'occultisme dans le rêve, c'est notre rêve avec les morts. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux fidèles. Merci pour la vie des dieux. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Les dieux de l'impossible, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour la vie des dieux Zoé, les dieux de la vie, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur. Lève-toi, Seigneur. Nous brisons les envoûtements, nous brisons les sortilèges, les mauvais sorts, à travers les rêves des morts, au nom puissant de Jésus, je proclame ton règne et ton autorité, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire. Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom dans nos vies, manifeste ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons bien-aimé continuer à prier dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier dans le Seigneur. Que tout bien dans le Seigneur, les échecs dans le rêve. Mais tu vas t'élever contre les échecs. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'élever. Bien-aimé, tu vas t'élever contre les échecs, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le rêve. À travers les contacts avec bien aimé, le Seigneur, les morts, bien aimé. Tu vas t'élever, bien aimé, le Seigneur. Lorsqu'on est en contact avec les morts à travers les rêves, ça ouvre la porte aux échecs. Mais tu vas briser les échecs. Alléluia. Sponsorisé par les esprits des morts. À travers les rêves, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Alléluia. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. C'est toi le vainqueur de Golgotha. Seigneur Jésus, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Ô éternel, notre Dieu, merci, c'est notre Dieu. Je brise les échecs à cause du contact avec les morts dans le rêve. Je brise les échecs, c'est notre Dieu, au contact avec les morts dans le rêve. Que les échecs soient brisés. Tendre Père, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Que les échecs soient transformés en succès au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de victoire, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de bonté, alléluia. Merci Seigneur de glorifier ton nom, de manifester ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué et d'être célébré. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le roi éternel.
Merci de venir chaque détail et chaque aspect de nos vies, nos puissants de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vois, bien aimé, briser toute alliance, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, toute alliance de l'amour prématuré. Alléluia. Accorde, n'est-ce pas, des contacts avec de l'amour prématuré, n'est-ce pas, toute alliance, bien-aimé, dans le Seigneur, de l'amour prématuré. Alléluia. Avec les esprits, à cause du contact avec les esprits, les morts dans le rêve. Bien-aimé, tu vas briser toute alliance de mort prématurée, toute alliance de mort rapide. Alléluia. Bien-aimé, toute alliance de mort prématurée, toute alliance de mort rapide, de mort soudaine. Alléluia. Sois brisé à travers les rêves. Alléluia. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser toute alliance de mort prématurée, toute alliance de mort rapide, de mort soudaine à travers les rêves. Au nom puissant de Jésus, je viens briser toute alliance de mort prématurée. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci. J'ai brisé toute alliance de mort prématurée, toute alliance de mort soudaine, de mort subite dans le rêve. Si j'ai pris cela au nom puissant de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance, par le sang de la grâce, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci, merci pour ta victoire. Merci éternel notre Dieu, merci pour ton règne et pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas bien-aimé consumer, bien-aimé dans le Seigneur, tous les vêtements. Alléluia. Bien-aimé, les vêtements funéraires. Bien-aimé, les vêtements, bien-aimé, funéraires. Bien-aimé, si on a préparé, bien-aimé, les vêtements des morts. Alléluia. Bien-aimé, les vêtements funéraires. Bien-aimé, tu vas bien-aimé consumer les vêtements funéraires. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Dans le rêve, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les vêtements, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Auquel tu as eu contact, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le rêve. Bien-aimé, les vêtements funéraires, les vêtements des morts. Alléluia. Bien-aimé, tu as invoqué le feu du Saint, consumer les vêtements des morts. Au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, des trois. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons ta victoire. J'invoque le feu pour consumer, c'est notre Dieu, les vêtements funéraires. Alléluia. Dans le rêve, les vêtements des morts, les vêtements des morts, les vêtements funéraires soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Éternel, notre Dieu, merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu feras. Que le sang de Jésus recouvre ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas maintenant chasser les gens que tu rêves. Alléluia. Mais tu vas briser dans le Seigneur les gens que tu rêves dans le rêve. Bien dans le Seigneur. Oh, j'ai mon père qui est déjà décédé, ma mère qui est déjà morte, mes frères, bien-aimés. Tu vas chasser les morts dans tes rêves. Alléluia. Mais tu vas chasser les morts dans tes rêves au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Bien, mais tu vas chasser les morts dans tes rêves au nom puissant de Jésus. Que les morts dans tes rêves soient neutralisés, soient brisés. Alléluia. Alléluia. Bien, mais tu vas chasser les morts dans tes rêves. Et tu vas t'élever, bien, mais contre, n'est-ce pas, les rêves des morts aussi. Brise le rêve des morts au nom puissant de Jésus. Chasse les morts, bien, et brise les rêves des morts. Alors proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit des trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dieu de victoire, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Le feu de vos rangs. Tendre Père, que ton feu consume, c'est notre Dieu. Les morts dans le rêve. Les morts, tendre Père. Tous ceux qui viennent dans mes rêves. Les morts, ceux qui sont déjà ici, tendre Père. Que le feu du Saint-Esprit chasse les morts dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus. Les morts, tendre Père. Qu'ils soient neutres. Qu'il soit paralysé. Ces morts, c'est l'autre qui vient avec l'intention de lui en ma vie. Les esprits, c'est l'autre Dieu. Les morts soient neutralisés, soient brisés. Les morts dans mes rêves. Je me dresse contre l'esprit des morts dans mes rêves au nom puissant de Jésus. Je me dresse contre le rêve des morts, tendre Père. Que le rêve satanique, le rêve maléfique des morts soient brisés, soient neutralisés. Je brise tout le rêve maléfique dans ma vie. Je brise le rêve maléfique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je me dresse contre le rêve maléfique, le rêve occulte, le rêve satanique. On
nom puissant de Jésus, je viens briser les rêves maléfiques, les rêves sataniques soient brisés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, c'est notre Dieu, que les morts, c'est notre Dieu dans mes rêves, les morts soient neutralisés, soient paralysés, que les morts soient neutralisés, les morts soient neutralisés, les morts soient paralysés, qu'ils ne réapparaissent plus jamais dans mes rêves, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient anéantis par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire. Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de paix. Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi, le grand roi, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons nous lever contre les esprits des morts. Alléluia. Nous allons nous lever contre les esprits des morts, n'est-ce pas, mais à travers les rêves. Nous allons nous lever, briser les esprits des morts à travers les rêves. Les esprits des cimetières à travers les rêves. Bien, lève-toi contre les esprits des cimetières à travers les rêves. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés. Commence à briser les esprits des cimetières à travers les esprits de l'enfer, bien-aimés, à travers les rêves. Allez, élevons nos voix, bien-aimés. Prions le Seigneur, tant de paix, nous élevons nos voix, maintenant nous proclamons ta victoire. Je me lève contre les esprits des morts à travers les rêves, au nom puissant de Jésus. Les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer à travers les rêves, qu'ils soient brisés, qu'ils soient neutralisés, au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix. Je brise les esprits de l'enfer, les esprits des cimetières à travers les rêves, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés, au nom puissant de Jésus. Les dieux grands et redoutables, maître du ciel et de la terre, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Je me dresse contre les esprits des morts à travers les rêves, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves. Je brise les esprits des cimetières dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous chassons les esprits des cimetières, les esprits des morts, les esprits de l'enfer. Nous nous dressons contre ces esprits. Qu'ils libèrent nos familles, qu'ils libèrent nos vies, qu'ils libèrent mon ministère, qu'ils libèrent mon ministère, qu'ils libèrent ma vie, qu'ils libèrent ma famille, qu'ils libèrent ma vie, qu'ils libèrent ma famille. Les esprits des cimetières, les esprits des morts, qu'ils soient brisés. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Je lis les esprits de l'enfer, les esprits des cimetières. Je lis ces esprits impurs, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, qu'ils ne reviennent plus jamais. Au nom puissant de Jésus, je les chasse dans ton père. Je les chasse de ma vie, de la vie de mon épouse, de mon frère, de ma soeur. Je les chasse de l'église, de mon ministère. Je chasse les esprits de l'enfer, les esprits des cimetières, les esprits des morts, qu'ils soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus, nous chassons ces esprits des morts. Nous chassons les esprits des morts. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé, même à travers les rêves, dans les rêves, Seigneur. Je chasse les esprits des morts, à travers les rêves, les esprits de l'enfer, à travers les rêves, tant de pères, les esprits des cimetières, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés, quelle que soit leur forme, tant de pères, qu'ils soient neutralisés, paralysés, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci, grand roi des livres. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce que les esprits des morts avaient hypothéqué, avaient confisqué, bien-aimé, alléluia, nous allons réclamer, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, là, que tout ce qui les avait confisqué, bien-aimé, nous soit la restitution de tout ce qui était confisqué, que tout ce qui était enterré, bien-aimé, tout ce qui était enterré, alléluia, bien-aimé, nous soit ressuscité. Nous allons proclamer la puissance de la résurrection. Alléluia. Que tout ce qui était confisqué par les esprits des morts, nous soit restitué, que tout ce qui était enterré, bienvenue dans le Seigneur, soit libéré, brisez le pouvoir de la tombe. Alléluia. Proclamons trois fois, bien-aimé, le sang de Jésus, 1, 2, 3, le sang de Jésus,
le sang de Jésus, le sang de Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je brise le pouvoir de la tombe. Je me dresse contre le pouvoir des cimetières au nom puissant de Jésus. Je viens briser le pouvoir de la tombe. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour tes fidélités, Dieu grand et redoutable. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Nous nous lèvons contre la puissance de l'occultisme et de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je brise la puissance de l'occultisme, la puissance de la sorcellerie. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire, les dieux de grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta victoire. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté infinie. Au nom puissant de Jésus, nous nous lèvons contre les autorités, les principautés. Au nom puissant de Jésus, Dieu grand et redoutable, merci. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Tendre Père, merci pour la vie de Dieu Zoé. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, éternel Dieu grand et redoutable. Alléluia. Glorifie ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, manifeste ta gloire. Si nous proclamons la vie, que la vie de Dieu engloutisse la puissance de la mort. Au nom de Jésus. Nous allons réclamer, bien-aimés, alors que Dieu nous délivre, n'est-ce pas, bien-aimés, des esprits de mort à travers les rêves. Alors que Dieu nous délivre des esprits de mort à travers les rêves. Élevons, mais commence à réclamer la délivrance, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. C'est notre Dieu, nous brisons, c'est notre Dieu. Nous réclamons la délivrance, que la puissance, le pouvoir de la tombe soit brisé. Le pouvoir de la tombe, je proclame la puissance de la résurrection. La vie de Dieu, au puissant de Jésus. Que la vie, c'est notre Dieu. Amen. Alléluia. Que la vie puisse chasser la mort. Que tout ce qui est enterré, c'est notre soir, le situer au puissant de Jésus. Je réclame tendre paix. Je réclame la vie, la victoire sur le pouvoir de la mort, sur les esprits de mort, sur les esprits cimetières. Je réclame la délivrance. Délivre, c'est notre Dieu. Je réclame la délivrance sur les esprits de mort, sur les esprits cimetières. Je réclame la délivrance au puissant de Jésus. Les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance. Je réclame la puissance de la délivrance au puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus, les dieux grands et redoutables, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Viens, mais commence à proclamer la vie. Alléluia. Et même temps, nous allons prier pour le pasteur Philippe Kasongo. Proclamons la puissance de la guérison et de la vie. Alléluia en lui. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons la vie dans la vie du pasteur Philippe Kasongo, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie. Nous réclamons sa vie, au nom puissant de Jésus. Nous réclamons la vie. En même temps, nous proclamons la vie au milieu de nous. Seigneur, je proclame la vie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans mes projets. Alléluia, dans ma destinée. Je proclame la vie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie au milieu de nous. Tendre Père, je proclame la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la vie. Je brise le pouvoir de la mort. Je proclame la vie de Dieu Zoé. Au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie. Alléluia. Maître du ciel et de la terre, merci pour la vie. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour la guérison de ton serviteur, pasteur Philippe. Merci pour la guérison. Au nom puissant de Jésus, merci tendre Père de le toucher dans le moindre détail au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Bien-aimé, lève-toi, bien-aimé. Commence à bien-aimé. Prions, bien-aimé. Détruisons, bien-aimé, les contre-attaques du diable. Tendre Père, nous nous levons contre toute forme de contre-attaques. Je brise les contre-attaques à ces temps de prière. Les contre-attaques, c'est notre dans nos prières. Que les contre-attaques soient brisées, soient neutralisées. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous nous levons contre les esprits des morts. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta victoire, au nom de Jésus.
Gloire et louange. Remercie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir accompagnés dans ce programme de prière. Je viens sceller toutes nos prières dans le sang de Jésus au ciel, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta victoire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse le sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse de tout cœur. Merci, merci, merci de tout cœur. Donc, on termine le dimanche. En tout cas, le programme change.